Bonjour à vous ici Stéphanie de comment sauver mon couple.com. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Comment gérer les mensonges dans le couple Les mensonges, c'est un sujet qui est aussi également touchy parce que je le vois régulièrement dans les clients que j'accompagne, c'est les mensonges, c'est quelque chose qu'ils prennent personnellement. C'est-à-dire quand leur partenaire leur ment, c'est comme si il y avait un affront direct avec eux. C'est comme si euh, ils commençaient à ouvrir une bagarre, une bagarre physique, même si c'est pas physique, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu comme si on, ils, tout à coup ils étaient sur un ring de boxe et qu'il y avait l'un des deux, celui qui manque, est qui en train de défier l'autre. Et c'est comme ça que le partenaire, en tout cas les personnes que j'accompagne, voient les choses quand leur partenaire leur ment. Le truc c'est comprendre pourquoi, pourquoi euh, le partenaire peut être amené à mentir. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans une relation, où il y a un engagement des deux côtés, où il y a de l'amour des deux côtés, vraiment des sentiments profonds, qu'est-ce qui peut pousser l'un des deux à mentir Il y a une raison derrière tout ça. Vous savez ce que je dis souvent, régulièrement, dans les relations de couple, il n'y a jamais de fumée sans feu. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a toujours une raison. Et en général, il y en a plusieurs. Plusieurs raisons pour que les choses arrivent comme elles arrivent. Et dans le cas du mensonge, c'est simple, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à mentir Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à aller déformer la réalité ou à aller cacher quelque chose Parce que la définition du mensonge, c'est quand on déforme quelque chose, quand on invente quelque chose ou quand on cache quelque chose délibérément. C'est-à-dire, on va délibérément ne pas dire quelque chose. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un justement à agir de la sorte Eh bien, pour pouvoir aller jusqu'à trahir son propre, ses propres engagements envers son partenaire c'est qu'il y a véritablement quelque chose à l'intérieur qui pousse à ça. C'est-à-dire quelque chose à l'intérieur qui soit suffisamment douloureux pour qu'on en vienne jusqu'à trahir nos propres engagements de ne jamais mentir à la personne qu'on aime le plus sur Terre. Et ce truc douloureux, ça s'appelle la confiance en soi et l'estime de soi. Parce qu'on va être amené à déformer la réalité pour pouvoir l'améliorer. On va chercher à cacher la réalité, cacher les parties de réalité qui... Selon nos propres yeux, notre propre regard, faites de nous quelqu'un de moins bien. Quelqu'un qu'on n'estime pas assez intelligent, pas assez fort, pas suffisamment beau, pas suffisamment patient, pas suffisamment courageux, etc., etc. Et donc on va venir justement déformer, amplifier, modifier, cacher cette réalité. On va venir inventer en fait une nouvelle personne, un nouveau personnage, une nouvelle identité pour pouvoir cacher sa propre identité. Et le point, il est là, le point est que les personnes qui mentent, ce sont des personnes qui veulent cacher qui elles sont. Pourquoi Parce qu'elles estiment ne pas être suffisamment intelligente, belle, courageuse, forte, tout le truc, tout le package, le méga package. Parce que la peur dont on a le la peur la plus profonde qu'on a en nous, c'est la peur de ne pas être aimé. Parce qu'on a tous peur de mourir de par notre condition D'être incarné de, f... de conditions physiques, on est matériel, on a un corps physique. On a peur de mourir. Et le problème, c'est que si on n'est pas aimé quand on est enfant, si on n'est pas aimé, ça veut dire qu'on va être pas nourri, pas protégé. L'hygiène corporelle, on peut l'oublier. Et ça veut dire quoi ça concrètement Si on n'est pas nourri et qu'on n'est pas protégé, ça veut dire qu'on meurt. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire la nature a développé une stratégie extrêmement puissante, qui s'appelle l'émotion, qui s'appelle l'amour, pour pouvoir justement nous assurer que nous, en tant que bébé, on puisse survivre parce que nos parents nous aiment. Donc ça veut dire que si nos parents ne nous aiment plus, on est mort. Donc on va toujours rechercher cet amour encore et encore parce que c'est inscrit à l'intérieur de nous. Et même une fois adulte, c'est ce qu'on va rechercher. Et donc quand on fait cette expérience, quand on a l'impression que... Eh bien, ce qu'on a fait dans notre quotidien, ou ce qu'on a fait à un moment X, à un moment précis, à un instant T, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez. On a l'impression que si on fait ça, eh bien, on va pas être aimé de quelqu'un d'autre, qu'on aurait dû être plus, qu'on aurait dû faire plus, être plus courageux, être plus intelligent, être plus beau, etc., etc. À ce moment-là, on a tellement peur de ça, tellement peur de ne pas être aimé, qu'on va inventer quelque chose. On va inventer une histoire, on va inventer une excuse, on va déformer les trucs. On va créer une nouvelle, un nouveau personnage, une nouvelle réalité, une nouvelle identité. Donc, ça veut dire quoi concrètement C'est-à-dire que les personnes aujourd'hui qui mentent et qui sont capables d'aller jusqu'à mentir aux personnes qui leur sont le plus chères sur Terre, ce sont des personnes qui ont un tel manque de confiance en elles un, un, tel, un tel manque d'estime d'elles-mêmes qu'elles sont capables de faire ça. Et je vais juste faire un focus vraiment sur la confiance en soi et l'estime de soi. La confiance en soi, c'est vraiment sur faire. C'est-à-dire. Je, je sens que j'ai la capacité de faire quelque chose. J'ai quelque chose de précis. Et donc, j'ai confiance en moi sur cette chose précise. Par exemple, moi, ça fait 15 ans que je conduis, j'ai confiance en ma capacité à conduire une voiture. J'ai jamais conduit de camion de 35 tonnes. Je n'ai pas confiance en ma capacité à conduire un camion de 35 tonnes. J'ai jamais conduit une moto. Je n'ai pas confiance en ma capacité de conduire une moto. Et pourtant, j'ai extrêmement confiance en ma capacité de conduire une voiture parce que ça fait longtemps que je le fais. J'entends très souvent ce, cette chose qui est, qui est confondue et qui est mal comprise de ⁇ je dois d'abord avoir confiance en moi pour ensuite faire ⁇ Et non, ça marche pas comme ça. Vous devez d'abord faire pour développer votre confiance en vous. Et le truc, c'est que la confiance, elle ne s'inscrit pas sur toutes les facettes de votre vie. Elle va s'inscrire uniquement sur certains points, certains domaines de votre vie. La conduite, faire la cuisine. Euh, parler une langue en particulière, euh, jouer de la musique, faire de la danse. Maintenant, si vous avez jamais fait de la danse de votre vie, quelle est la probabilité que vous ayez confiance sur le fait de danser Zéro. Zéro. Donc, ça veut dire que concrètement, la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se développe et qui se développe en faisant. Et qui se développe pas en faisant plein de trucs. Qui se développe en faisant cette chose en particulier dans ce domaine en particulier dans lequel vous voulez avoir confiance. Maintenant l'estime de soi. L'estime de soi, c'est vraiment sur l'être, n'est pas sur le faire, c'est sur l'être qui on est, c'est comment je me perçois, qui je suis selon moi. Ça c'est véritablement l'estime de soi. Et parfois on j'ai tendance à entendre beaucoup, j'aimerais développer ma confiance en moi, j'aimerais avoir plus confiance en moi, j'aimerais être plus confiant. Ok, super, c'est vraiment chouette. Par contre, la base de tout, le socle de, la, de tout ça, ça va être vraiment l'estime. Sans estime de soi, on peut être amené à développer la confiance en soi. C'est-à-dire se sentir confiant sur certaines choses. Le problème, c'est que, au moindre mouvement, c'est-à-dire au moindre tremblement de terre, il y a tout, y a tout qui s'effondre. La confiance en soi s'effondre. C'est ce qui fait que cette, certaines personnes, vous en connaissez peut-être dans votre entourage, vous aviez l'impression qu'ils avaient énormément confiance en elles. Et puis, tout à coup, ces personnes-là, paf, vous les retrouvez au fond du gouffre, avec une confiance en elles à zéro. Pourquoi Parce qu'elles n'avaient pas développé leur estime d'elles-mêmes. Elles avaient juste développé le bloc confiance en soi qui n'était pas posé, qui ne reposait pas sur des bases solides, sur les bases de l'estime de soi. Et donc, l'estime de soi, sur être véritablement qui je suis, selon moi, comment on fait pour développer son estime de soi Puisque c'est la base de tout. Pour développer son estime de soi, on arrête de lutter contre son propre passé. On arrête de lutter contre soi. Pourquoi parfois on peut être amené à se trouver pas assez, pas suffisamment Pas assez intelligent, pas suffisamment beau, pas suffisamment fort, pas suffisamment courageux. Parce que finalement, c'est toutes les choses que je retrouve le plus. Eh bien, parce qu'on est en train de se dire il y a une partie de moi qui n'est pas ok. Quand je fais ça, quand je dis ça, quand je suis comme ça, c'est pas ok je rejette cette partie j'estime que quand je dis des trucs comme ça je dis par exemple quand je dis des gros mots je ne devrais pas dire des gros mots je ne suis pas quelqu'un de bien parce que je dis des gros mots on va venir déformer en fait ce qu'on fait en l'associant avec qui on est. est à dire ce que je fais va définir qui je suis oui et non parce que tout est un cercle ça veut dire est-ce que ça commence véritablement par la confiance pour venir sur l'estime de soi qui je suis ou est-ce que c'est qui je suis qui va définir aussi ce que je fais au final il n'y a pas que le faire que les actions qui vont définir qui on est. Il va y avoir les deux. Les actions vont définir une partie de qui on est, bien sûr, mais surtout qui on est qui va définir nos actions. Donc ça veut dire concrètement que pour développer cette estime de soi, il faut arrêter de lutter contre soi, arrêter de lutter contre une partie de son passé. Parce que cette partie de soi contre laquelle parfois on peut être amené à lutter, c'est une partie de son passé contre lequel on lutte. Comme par exemple pour mon cas, mon cas personnel. Moi j'ai encore cette partie de moi où je me sens parfois en lutte, je sens que je rejette une partie de ma personnalité qui est sur justement ne pas être assez vraiment véritablement c'est assez. Et moi ça se traduit par assez forte, assez assez d'action, assez courageuse. Ce qui est génial c'est que ça m'a amené justement à développer énormément de courage parce que je me sentais tellement pas assez courageuse que j'ai vraiment mis mon focus dessus et j'ai développé, j'ai fait, 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 fait. Ce qui m'a permis de développer également bah, mon estime de moi-même sur la partie d'être courageuse. Qui je suis, je suis une femme courageuse. Je m'estime comme être une femme courageuse aujourd'hui. Mais il y a une partie de moi qui est toujours en train de lutter contre ça. Toujours. Pourquoi je vais toujours chercher à relever des challenges, relever des défis, dépasser des choses Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui est toujours en train de me dire que je ne suis pas assez courageuse. Je ne suis pas assez forte. Et c'est ce qui va me pousser justement à faire ça. Mais le truc c'est que. Parce que je lutte contre cette partie de moi que j'estime ne pas être assez courageuse, assez forte, je vais donc ne pas développer cette estime de moi, m'empêcher justement d'avoir une bonne estime de moi. En tout cas, une bonne, ce que j'appelle une bonne, c'est être à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Parce que je suis toujours en lutte perpétuelle contre moi-même. Parce que quand je fais des trucs, je vais venir me juger moi-même. Je vais venir me critiquer moi-même en me disant, mais j'ai pas été assez courageuse ici. Mais j'ai pas été assez forte quand j'ai fait ça. Ou je vais même carrément même me dire, me juger en me disant, mais pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je suis pas passée à l'action là-dessus? J'aurais dû le faire. J'aurais dû, par exemple, hier, une personne a fait tomber sa valise. Et j'ai eu trois secondes le temps de réfléchir et de me dire, oh, j'aurais pu l'aider. Pour, a, pour, aller l'aider justement à ramasser sa valise. Et le temps que je réfléchisse et que je prenne conscience de tout ça et que je me, que je passe à l'action, la personne, le, l'homme avait déjà ramassé sa valise. Et à ce moment-là, je me suis jugée, je me suis dit, oh, t'aurais dû, t'aurais dû y aller tout de suite. Et ne pas avoir trois secondes d'attente. Et le problème, c'est que quand on s'autocritique et quand on se juge comme ça, c'est que ça permet pas justement de développer sa confiance en soi, ça c'est sûr. Mais surtout, son estime de soi. Donc la meilleure chose à faire, c'est vraiment, Accepter. Accepter qui on est tel qu'on est. Parfois, c'est ok de merder, tout le monde fait des erreurs. C'est tout à fait ok de faire des erreurs. Le jour où j'ai vraiment véritablement compris ça, le jour où j'ai véritablement accepté de faire des erreurs, parce qu'il y a quelque chose de très important que j'ai compris et qui m'a permis de m'aider justement de dépasser ça, c'est quand j'ai compris que c'était ok de faire des erreurs, que tout le monde sur Terre fait des erreurs, que c'est humain de faire des erreurs, mais que c'est pas ok de ne pas réparer. Et donc je me suis dit plutôt que de lutter contre le fait de ne pas faire d'erreur, parce que j'y arriverai jamais, je suis humaine, je vais plutôt me focaliser sur comment faire pour réparer. Le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai intégré dans mon corps physique véritablement ça, ça m'a permis justement de passer, j'étais en moyenne à 3, et 3, sur, 3, 4 sur 10 en estime de moi, ça m'a permis de passer à 7. Mais du jour au lendemain, véritablement, quand j'ai eu ce déclic, ça a changé véritablement ma vie, parce que j'ai arrêté en fait de lutter contre... Je ne suis pas assez, je fais des erreurs, donc je vais chercher à cacher la vérité, je vais chercher à cacher les choses, je vais chercher à mentir. Et j'étais ce type de personne. J'étais cette personne qui toujours est en train de cacher certaines choses, est en train d'embellir. C'était jamais vraiment des gros mensonges. C'était toujours des tout petits mensonges, des petits trucs, parce que je, je m'estimais ne pas être assez. Et donc je venais déformer toute cette réalité. Mais c'était quelque chose qui me pourrissait, parce que je savais, en plus. Je savais que j'étais en train de mentir. Je savais que j'étais en train de déformer la réalité. Donc j'étais en train de me flinguer moi-même. J'étais grosso modo en train de tuer mon estime personnelle et de tuer ma confiance en moi à chaque instant, à chaque moment où je mentais. Donc véritablement, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir pris conscience de ça, mais surtout de l'avoir intégré vraiment émotionnellement et physiquement. Changer mon focus, juste arrêter de me, me, me focaliser sur "bah j'ai fait des erreurs, bah oui, mais ça arrive à tout le monde de faire des erreurs". Maintenant, je me focalise sur "ok j'ai fait une erreur, mais comment je peux faire pour réparer Est-ce que je dois communiquer davantage est-ce que je dois aller demander pardon Comment je dois faire Comment je peux faire pour, pour réparer ce que j'ai fait Voilà, je vous ai ouvert beaucoup de pistes sur, pour vous expliquer véritablement ce qu'est le mensonge, l'origine du mensonge, parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y a toujours véritablement une raison et une raison qui n'a rien à voir avec l'autre. Une raison qui a tout à voir avec soi-même. Si on est amené à mentir, c'est parce qu'on a un challenge avec nous. Si votre partenaire vous ment, c'est parce que votre partenaire a un challenge avec lui-même, pas avec vous. Donc, comprendre véritablement ça, et la deuxième raison, le deuxi la deuxième chose qui était très importante dans cette vidéo, c'est de comprendre que le mensonge est là pour cacher, cacher quelque chose aux yeux des autres, cacher qui on est, parce qu'on s'estime pas assez. Et donc, le meilleur moyen pour s'estimer assez, pour développer justement cette confiance en soi, c'est vraiment de comprendre que euh, bah, on est humain, on est humain et on va faire des erreurs et on va continuer et que l'échec c'est un bon moyen justement de grandir mais si on continue à se focaliser sur l'erreur et l'échec ça ne va pas nous aider mais si on commence à se focaliser véritablement sur comment je peux faire pour réparer comment je peux faire pour tirer profit de la situation c'est à dire quel est le cadeau de la situation qu'est ce que cette situation m'enseigne qu'est ce que cette situation m'apporte à ce moment-là on n'est plus dans la comparaison et donc dans je ne suis pas assez donc je vais chercher à mentir on arrive tout de suite dans Comment je peux faire pour être en croissance Comment je peux faire pour devenir une meilleure personne J'espère vous avoir apporté beaucoup de clés, beaucoup de d'enseignements. De, de, Cette vidéo a été riche. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une magnifique journée et puis à très bientôt sur Comment sauver mon couple.